Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la suite du Let's Play de ce... Pardon, Prey sur PC. Je vais dire The Surge, mais non, c'est pas tout de suite. Donc on va tout de suite continuer là où on s'est arrêté, donc ici. On va essayer de faire en sorte que la souris soit bien. Voilà. Alors. On a visité quoi exactement? Est-ce qu'on a tout visité? Ça m'a tout l'air. Niveau 3, c'est bon. Niveau 1. Niveau 2 pour la morgue. D'accord, donc pour tout ce qui est ici, c'est bon. Oh. Je ne t'avais pas vu, toi. Ok. Ah, c'était où exactement? T'as étage au-dessus? Ouais. On va remonter. Bonjour, bonjour, Dr. Yu. Je veux qu'on remonte pour faire d'abord l'extérieur. Je veux voir si on peut déjà avoir des choses supplémentaires à l'extérieur de la station. En tout cas, j'espère que le son du micro est assez bon. J'ai seulement allumer mon ventilateur parce que comment pourrait-on dire ça, oui, il fait chaud. Microgravité détectée. Morgan, je me demandais si vous étiez perturbé par le fait d'avoir organisé votre propre mort. Ce n'est pas facile comme situation. Si je devais vous donner un conseil, ne pensez pas à ce qui va arriver. Concentrez-vous sur la prochaine étape, une chose à la fois. Si vous avez besoin d'aide, je suis là. Un cadavre humain. On va y aller. Comment glitcher en bonne et due forme. Recherche terminée. Inspection en cours. Votre combinaison est endommagée. Réparation terminée. Plus bon. C'est qu'il y a un autre cadavre ici là-haut. Le reste je le ferai certainement hors vidéo, mais au moins pour cela, essayer de les faire rapidement. Se soigner. Le temps, tout le temps, le touche. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? On peut pas voir, d'accord. D'accord, allez, on y va. On y retourne à l'intérieur. On a remontré certaines choses. Je suis pas très drôle, mais c'est pas grave.
30 degrés dans la tour, c'est un peu chaud quand même. On va essayer de recharger toutes nos armes. Docteur Yu, bonjour. Scan en cours. Les neurones. Regarde bien. Tout ce qui est arrivé sur Talonswan a commencé ici. Tu étais tellement enthousiaste au début. Mon erreur a été d'accepter que tu sois au centre des tests. C'est là que... T'es à te perdre. Nous sommes sur le point de comprendre ce qu'ils cherchent, ce qu'ils construisent. Il me faut juste un peu plus de temps. Pas facile. Il est mort tout seul. Hein. D'accord. Je garde. Hé hey. Hé, hey, par ici. Parlons un peu. Oui, on parlera juste après, mon cher. Je veux pas être désagréable, mais tu penses être encore loin de la brèche. Je suis bientôt arrivé. T'as une idée de ce qui s'est passé ? Difficile à dire comme ça. Peut-être que des micro-météorites ont percé la coque. C'est rare, mais ça arrive. Je vois. Très bien. J'espère que c'est juste ça. Est-ce que tu me caches quelque chose ? Mais non. Bien sûr que non. C'est juste que des matériaux exotiques confidentiels sont entreposés dans la réserve. On peut pas vraiment se permettre d'en bloquer l'accès. Je vois. D'accord. Vous avez besoin de flingues? De munitions? J'ai vu un de ces types de l'équipe scientifique entrer dans cette armurerie. Je l'ai vu taper le code. Alors, t'as envie d'être humain, kidnapping, détournement mineur, distribution de substances contrôlées. D'accord. Je m'appelle Aaron. Aaron Ingram. Mon cher, tu ne survivras pas. Hé, hey, oh, 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 mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que cette chose fait là-dedans? Merde! Vous... Je vous avais dit de pas le faire! Oh merde! Les
gens ont au fait d'attribuer des comportements humains aux choses qu'ils ne comprennent pas. Les typhoons nous tuent sans la moindre hésitation. Mais ce n'est pas par méchanceté. C'est parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. Tu sais ce qu'on a découvert? Ils n'ont pas de neurones miroirs. Malgré leur formidable capacité, il y a une chose dont ils sont incapables. Ressentir de l'empathie pour une autre créature vivante. Morgan, avez-vous hésité? Ne serait-ce qu'un instant? Cet homme était mauvais, c'est un fait, mais... Auriez-vous pu faire autrement si l'opportunité s'était présentée? Le typhoon ne sème que mort et destruction. Mais vous, vous êtes humaine. Vous pouvez faire des choix. Oh, c'est nice. La vérité est... perturbante. Chaque neuromode fabriqué par Transtar contient des matériaux exotiques dérivés des mimiques. Si vous avez été attentive, vous savez comment les mimiques sont créées. Enflure. Ah putain. Bobo, c'est mal. On va ouvrir la porte, il peut y avoir quelque chose d'intéressant sur son cadavre. On va craquer ça. Ok. Donc c'était neuromode, désassemblage, qu'est-ce que c'est ? C'est réparation de la surface, etc. Il nous en reste 6. Famisé. Rangement. L'armurerie, c'est bon. Ok, on y va.
Comment on contrôle cette porte? Et là, apparemment, il n'y a pas de moyen de rentrer en fait. Hein. Pas grave. Pourrait-on pas passer par là pour la suite, là? Pas tout de suite, du moins. Bonjour. Scan en cours. Les neuroradios montrent que votre potentiel psychoactif a atteint le seuil maximum. D'accord, y'a rien. C'est ce que je craignais. Les scientifiques présents ici étaient en plein travail quand ils sont morts. L'accès au TEG est fermé pendant les expériences. Protocole de sécurité. Vous devrez terminer ce qu'ils avaient commencé. Dans les années 60 et 70, les premières équipes de chercheurs ont tenté de communiquer avec les Typhoons, mais ça s'est avéré impossible. Leur structure cérébrale est hautement développée et intentionnelle. Mais d'une certaine façon, elle est inaccessible. Ils ne présentent aucun langage propre. Ils ne semblent... Voir. Enfin, pas comme nous nous percevons, nous. Je généralise en disant non. Je suis bien conscient de ne pas être humaine, pas comme vous. Procédure d'examen en cours. Bâtiment verrouillé jusqu'à la fin de la procédure. Attention, salle d'examen compromise. Attention, salle d'examen compromise. D'autres spécimens sont requis. Attention, combinaison endommagée. Salle d'examen compromise. Attention, salle d'examen compromise. Et compromis, là, c'est moi. Verrouillage du bâtiment levé. Chaud cacao. J'ai plus de kit de réparation. Merde. J'arrive. Déplacement. Pichutisseur. À mort, tisseur. Ouais, bon. On va d'abord aller à la morgue. Ah.
Où est-il? M'en douter. Je savais que c'était lui. Pourquoi je le pirate au fait? Je sais pas. Opérateur à l'approche. Vérification des mises à jour. Serveur en ligne. Pour lire, bien entendu. Déplacement. J'ai essayé de le taper, ça n'a pas marché. Arrête. Pas de bruit en plus. C'est silencieux comme pas de... Déplacement. Y'a rien là, non? Opérateur à l'approche. Ah oui, il est peut-être mort. Peut-être lui là. Ah c'est ça, il est mort. C'est... Il a fait de réparer. D'accord, ici y a rien. Sérieusement, on peut pas y aller. Fuck that shit. J'arrive. Il est censé y avoir quelque chose. Scan de la cible, aucun matériel alien détecté. La carte devrait pas être loin. Peut-être là-dedans, non? Opérateur à l'approche. Bizarre qu'il n'y a rien. Bizarre qu'il n'y a rien. Oh là là, ça chauffe à l'intérieur de la tour, 31 degrés. Truc de ouf. Non, moi je vois pas, hein. Toujours pas la carte d'accès, quoi. Je ne sais pas où ça peut être. Tant pis. À l'approche. On fera un tour la prochaine fois. Ça, c'est pour un opérateur.
La résistance de la mise à terre. Là-bas peut-être. Je ne comprends pas à quoi ça peut me servir. J'ai peut-être ma petite idée finalement. Voyons, calmez-vous, mes chers robots. Non. Ah, ça nous demande de colmater, pardon, la brèche de la côte. Ok, dans le bruit. Docteur Yu. Bonjour, Docteur Yu. On va monter pour colmater la brèche là-bas, comme ça nous est demandé. Des capacités ou de l'absence de capacités du Typhoon, il semble plus prudent de revoir les éléments du projet Cobalt. Igwe, les neuromodes peuvent déjà adapter des matériaux de Typhoon à l'esprit humain. Allez, on y va. Extérieur de Talos War. Microgravité. Au vu de ce que l'on sait des capacités, ou de l'absence de capacités du Typhoon, il semble plus prudent de revoir les éléments du projet Cobalt. Igwe, les neuromodes peuvent déjà adapter des matériaux de Typhoon à l'esprit humain. Il n'y a aucune raison pour que l'inverse ne fonctionne pas aussi. Mettons qu'on parvienne à insérer des neurones humains dans un Typhoon, comment saura-t-on qu'on a réussi ? Les nouvelles structures neuronales auraient besoin de se développer par le biais d'une série d'expériences concrètes. Ou simulées. Quoi ? Une série d'expériences simulées. Calvino, il... Ok, très bien, écoutez. C'est fascinant, mais concentrons-nous sur les choses dont nous savons qu'elles marchent. Je refuse que quelqu'un gaspille des ressources là-dedans. Allez, on y retourne. Allez, on se met bien, voilà. On retourne à l'intérieur. -31 degrés, c'est assez impressionnant vu la chaleur qu'il fait. On dit il fait chaud, c'est pas une blague. Ça sent la créature sur le retour. Bonjour. Bonjour, Docteur Yu. Thank you.
Ouais, donc on va également prendre une autre capacité, donc ça... Plus nécropsie. Où je trouve la carte d'accès à la mort. Saloperie, je m'y attendais pas. Ah, il y en a pas en plus. Bien visité, ouais. Partons en arrière pour recycler ce qu'on a déjà. Ce sera déjà une bonne chose. Bonjour, Docteur Yu. Ça va, les ennemis n'ont pas l'air de réapparaître, ça c'est bien. Tellement pas de place en fait. Ça me sert à rien en fait la palette. L'arbalète ne me sert à rien. Un peu le vide. D'accord. Et on recycle. Maintenant, crafter quelque chose. On va crafter tout ça.
je craignais. Notre chef ingénieur en neuromode, Alden Graves, a caché un coupe-circuit dans la licence des plans du neuromode. Dommage, c'était un bon ingénieur. Je pense qu'il avait des doutes à propos des composants les plus exotiques. Tu vas devoir utiliser son poste de travail pour réinitialiser la licence. Son bureau se trouve dans le département neuromode. Ok. Ça fait qu'on a la... qu'on peut plus en faire pour le moment. C'est assez contraignant, on va dire. Bonjour. On va donc continuer. Ah, quelle chaleur étouffante. Dernier rempart de défense de Transtar contre un débordement. Plutôt léger comme dispositif. Mais elles sont faciles à fabriquer. Leur point fort, c'est le psychoscope intégré. Il fait la distinction entre cible extraterrestre et humaine. Ça ne devrait pas vous poser de problème, puisque vous êtes humaine. Pour le moment, du moins. Allez, on continue. On avance vers le TEG. J'ai de quoi réparer ma combinaison. Morgan, où allez-vous? Vous ne pourrez pas utiliser le module d'évacuation d'Alex sans... Attendez, qui êtes-vous? Veuillez vous identifier. Morgan, c'est January. Cet opérateur était un modèle ancien et défectueux. Ou encore pire. Alex, les Typhoons, ils sont tous contre vous. Ayez confiance en vous. En la vidéo que vous avez faite, nous devons récupérer la clé d'armement et détruire Talos One avant qu'il ne soit trop tard. D'accord. Ça, je vais prendre. Hein ? De l'eau ou de l'air. Mais les opérateurs s'en servent aussi pour transporter du ravitaillement entre la zone de fret et l'arboretum. Étant donné le faible nombre d'employés assignés ici, je m'attends à une présence minimale de Typhoon. Mais je peux me tromper. Thank you.
Tiens, toujours un passage là-bas. Est-ce qu'il y a vraiment un passage ou... Non, il n'y a rien. Oula, oula, on se remet droit. On va dire que c'est droit, ça. Allez, on y va. Ouh. Risque de faire bobo si je me prends ça. Les attacher juste là. Scanning terminé. D'autres spécimens sont requis. Oh, la tête. C'est mal. Changement de gravité font mal. Recherche terminée. Voilà. D'accord, il n'y a rien.
Essayez de pas trop bouger rapidement. Pas trop vous donner la gerbe. Voilà. Mal à la tête. On y va. Merde. Pardon, tu peux. Allez. Y a pas de...
Ça a pas l'air. S'il n'y aurait pas un passage par là. Non, s'il n'y a pas de passage. Je veux pas tenter le diable que je passe pas par là. On continue encore un peu, hein. Morgan, doucement. Cette onde a gravement endommagé votre combinaison. Elle vient de la prochaine sous-station. La magnétosphère entourant Talos One empêche les rayons du soleil de vous cuire sur place. Par chance, le générateur tient cours. Sachez que tout ira bien pour moi. Ah, attendez, j'ai plus la quête de January. Ici, ah oui. J'étais dans les laboratoires techniques, j'ai pas été dans le département neuronode encore. J'essaie de voir ce que j'ai. TEGS, on est ensuite à l'arbre. Là. Ah, ma tête. J'arrive. Notre kit de secours. Ça je peux pas passer. Ah je l'ai pas vu lui. C'est la carte c'est ça? Opérateur à l'approche. Oh. Attendez.
La magnétosphère est donc là-bas. Gravité normale détectée. Voilà, nous voilà de retour à la gravité normale. Nous allons nous arrêter juste ici, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire et un j'aime, surtout vous abonner à la chaîne, c'était DozDead pour le chat de Pan HD, passez une bonne journée, une bonne soirée, et vive les jeux vidéo!